Maxon Rémi t'a présenté comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Trois axes qui connectaient avec Pétionville, levé 12 Paris pour matin. Ça veut dire machine qui a sorti Pétionville, qui a passé par Delma, capable de descendre jusqu'à Gafou Aviation, sans problème pour matin. Machine qui a sorti Pétionville, qui a passé par Boudon, capable de descendre sans problème pour matin jusqu'à Port-au-Prince. Mais là, c'est Chen Mas, c'est une zone bon palais national, Chen Mas en sentier, qui est tout dans la zone bon palais, veillez côté de notre métier. Machine qui a sorti Pétionville, qui a passé et canapé vert devant Timaco MES, à descendre maintenant, il y a même tout, il y a capable de prendre le Léogane, sans problème pour matin. Dans le sud capitale, là, il y a une machine qui est déjà sorti dans quatre départements pour y prendre le Léogane, alors que dans le Léogane, plusieurs machines à charger pour aller Jacques Mel, au CAI, sans problème pour matin. Sous Grand Rue, plusieurs gros bus déjà dérapés pour aller gratter sur le département de la Caïmo sans problème. Mais si besoin arrivé tout climatisé, c'est des dominants là, puisque nous campions face à la nationale, on peut avoir plus union plus avec Dieu qui décide pour arriver et Jérémy sans problème et tout climatisé. Et dans même union plus, en tout cas, tout profiter régler ce problème c'est domaine. Comment ça y est, pour notre capitale là, machine qui a sorti à Caillet, Cabaret, machine qui a sorti au cap capable de traverser tout, parce que ailleurs, zone où il n'y a pas de bon, même après, attention, en 12 par 8, ça peut empêcher, dans la zone Canara, il y a plusieurs gros bus, je ne cap chargé pour passer par route 9, pour tomber directement, zone Cafoud, où il y a, de aller en face, parc industriel, là. Machine tout cap sorti, zone Jérusalem, Jérusalem 8, nous avons payé en pile, à cause de question bandit, de venir passer sans problème sur route nationale numéro 1, hein, d'arriver directement, devant commandant Miradel là pour y virer la foudre ou y a pour cimetière, de voir le topé yo, de même tout en face parc industriel là. Alors, ce qui est plusieurs groupes de ce zone parc là, et qui déjà chargé pour aller au département nord-ouest sans problème pour matin, hein, en pile là d'ailleurs, déjà dérapé avec une première occasion qui tout accompagné. Parce que chaque matin, tout ce qui fait faire ville profession, il y a tout le journal là, d'ailleurs, pour faire route là. Donc, comment ça y est, pour mon cap sorti 15 coffres, mon cap sorti 15 coffres, cap passé fermat, cap descendre la poule, à priver Pellerin, Pellerin fait que, le débat toujours là, devant le président, eh bien, marché est tête l'eau, si machin n'y a commencé à mettre à terre, et que machine n'a remarqué tout, qu'elle mettait dans le réateur, sous le Pellerin, dans un marché cocoyé, marché télélé, si machin n'a pas commencé à mettre à terre, et puis un gros camion qui finit déchargé, dans un ça, et sous le Frère. Parce que dans toute Pétionville là, agent la mairie, tout pas droit pour commencer à coumer avec qui se fatra dans Pétionville. Donc, comment ça y est, et pour le monde qui a sorti Pétionville, pour aller dans Cafou Académie, ça se tipe Pétionville pour aller Cafou Académie, matin on va priver sans problème. Tension 12 par 8, ça se tipe 15 coffres, ça se tipe Peigné, pour une zone académie tout, on va priver une tension qui 12 par 8, mais non route qui pas faite, dans fait noir couloc. Mais de Cafou Académie, ça se tipe pour aller Cafou Fleurio, on va priver Cafou Fleurio de Cafou Académie, tension qui 12 par 8, mais son j'aime dire, veillez côté ou à mettre pied dans la zone sérieuse. Lorsqu'on quitte le cimetière là, lorsqu'on prend un parc de souvenirs, qui côté ou la craser, donc ralentissement sérieux et cause vulnérable. Zone Eddie, on a commencé suspect. Ça va gagner pour nous tourner sur lui, parce qu'il y a plus dans la zone avec crime, sous technique 400 maroso, et semble que c'est où trois tout, qui est où dans la zone pour mener quoi dire pour qu'elle est au grand monde. Mais ça va empêcher plusieurs chauffeurs de passer avec contrôle. Donc, il y a une zone avec contrôle pour vivre Cafou Fleurio. Cafou Fleurio, Cafou Marassa, attention, on tous pas vite pour matin. Matin, Cafou Marassa, à quoi des bouquets? Jusqu'à maintenant, toujours à Baïti, machin, au même conseil ça. Veillez côté de la métienne, veillez machine à monter. Si nous montons un camionnette de plus, parce que 4 jeunes garçons là-dedans, pourquoi monter? Quand l'autre machine va nous venir, et si nous 4 jeunes garçons, ça va persister, nous-mêmes descendons, à prendre l'autre. C'est comme ça, il m'a dit, machine mal passé pour matin. Comment ça y est? Et pour mon cas, ce petit jeune Gérald Bataille, ce petit jeune Gérald Bataille, pour faire zone 3 mains, Gérald Bataille là-même, qu'à fois anti-crasé, des autres décrasés net, pas de lumière, son véritable blocus, des compliqués pour des CPR, de savoir que ces machines doivent passer pour y faire zone 3 mains. Donc, qui crasent tout, mais des réparations, en face du ministère de la Santé publique, son véritable problème, son cancer fatras, et moi, des mairies qui concernent eux. SNGRS, CNE, passez-vous zone ça, parce que son route international lié. Mais ça va empêcher les machines de passer sans problème sur piste là, zone complexe médicale Santé PAM, l'hôpital Kipeyo, puis aller zone piste d'Elmadea. Zone piste d'Elmadea, c'est l'agent la bout, du chauffeur rive et métro à terre. Donc, si vous avez pour traverser et pour aller la ville, pour qu'on passe zone Amédie Salut, donc pour pas passer pour place d'Elmadea, dans le moment où on parle avec là,
tant de soleil de ces zones puis que qu'on a moi toujours dit lui chaque matin mais sous Delma ou gain d'y aller sous chaîne masse vous va passer par Carrefour Payant et vous va passer zone Bastia vous tombez directement zone archive nationale zone ça attention 12 par 8 dans moment m'a parler avec là là zone Solino tout c'est génial même t'a pété mieux traverser dans zone ça bravo pour Solino attention 12 par 8 dans zone ça sur 43 29 77 40 qui ça auditeur vous voyez dit journal première occasion pendant Zoé qui va comme et qui a tout cap vigoureux et dans la zone centre-ville là, zone plaine nationale en pile côté, et vont beaucoup de chapeau pour la police, nous avons essayé d'accompagner la population matin. Merci monsieur, merci en pile. Mais comment ça y est, dans 43-29, 77-40 là, qui ça auditeur vous a dit d'une première occasion pour matin? En pile problème dans la zone matin. Population en débrisif, pas contre la zone ça, on a coupé pour terre, son véritable problème. Donc dans la zone non. Donc, nous avons fait connaître que nous avons été frappés dans la zone 8e section Maté, côté plusieurs mouns, à combien pour terre dans la zone ça. La population m'a débrouillé rapidement, oui, ça y a fait, parce que la question de bataille pour terre est un véritable problème dans la zone ça. Plusieurs paysans qui ont fait voile pour payer ce chapeau, à cause du conflit terrien. Donc, nous connaissons nous-mêmes dans la Caraïbe, nous ne pouvons pas gérer le conflit terrien, mais laisser les problèmes ça y a, il faut dire des mots, et pour zone non, de façon, et pour ébrouillif, ça n'a pas besoin d'être fait. Comment ça est tout dans la zone de la 40B, dans la zone de la 40B, depuis après que fin kidnappé les citoyens ailleurs, donc la zone ça a toujours été titre sur la dalle. Ailleurs, il y a 15 jeunes garçons en train de décabesser les batailles la police, de t'assembler sur l'information tout, qui est une équipe à droite dans la zone ça. La police a tout profité de comment ça est, parce qu'il y a un ban en train de dire son cancer, selon ça, en pile monde dans la population, en fait, connaît, et maintenant, soit quitté. Et autour de Delma, vous faites Delma 40B, vous avez un petit cacasse-roche, un petit caoutchouc taboulé, mais on peut passer quand même, mais avec un pile contrôle. Il y a plusieurs citoyens qui vivent dans une bombe de police qui m'ont été capables de gérer les questions de route là pour nous. Il y a plus le côté route là pas bon. À titre pour éviter tout le monde qui est dans la localité Djeg, donc beaucoup de gens qui ont fait dimanche 31 janvier à 4 p.m. dans l'église Djeg là, pour capable de brasser les deux qui David là. Parce qu'il y a des respecteurs qui font dans Djeg, qui ont été kidnappés, qui ont essayé de nous aller. Donc, à titre pour faire qu'on ait pas mobilisé les citoyens sur la question ça. Il y a plusieurs autres zones tout, qui m'ont dit pour mieux utiliser soufflette. Donc, depuis où on a kidnappé, on a été soufflé pour capable de faire la police connaître qu'on a dans la zone là. Dans la zone Clercine, zone Wichabisco, population en plein à cause des gens qui ont fait bruit dans la zone ça, pour imposer les gens dormi, ils ont installé une équipe de appareil, même si ils ont tiré pas attendre, même si la population a dit qu'ils ont été kidnappés, ils n'ont pas attendu, les gens ont demandé pour l'autorité au fond, gérer la situation ça pour eux. BIPAP, ça fait 10 mois, il y a eu prime de risque. Mes amis font un pour eux. Donc, il y a tout partout. Mais là, en face, il y a un cas foutu, il y a tout côté. Il n'y a pas besoin de pas être directionné, parce que la ville est fragile. Il y a un moment parlé là. Donc, on a demandé aux autorités, aux anciens SPN, la direction générale de la police, à tout. Pensez avec PACOP, BIPAP là. Nous pas qu'à gagner Zoé qui est ça, dans les temps, c'est qu'il y a un Zoé qui est peinturé. C'est avec peinture qui est marqué et la police là, sur lui. Donc, il faut qu'il change la machine ça pour la police nationale. Et non, et pour tout près, son situation. Difficile. Dans Delma 31, oui, ma gouana prolongée. Après, cité au CAI. Population, m'a dit, départ, vous n'avez pas pu gérer un problème de cassé. Vous êtes dans une situation difficile pour problème de l'eau. Jérusalem, mon Jérusalem 3, m'a dit qu'on coule la police. Une équipe qui mélange avec les 400 maroons, qui a pas un pile problème dans une salle. Population, dit, par contre, qui sait pour y aller dans une situation difficile? Il y a plusieurs citoyens qui disent qu'il y a 115 policiers BIM qui pourraient jouer une prime de risque. Demandez pour capable de faire pour eux parce qu'il y a des ministres aussi. Nous avons tout partout, dans tout la coin, à aider et combattre ce kidnapping. Donc, demandez au ministère financier où regarder la police pour capable de gérer la situation pour eux. Il y a un employé dans le ministère commerce qui m'a dit finalement qui ça, le ministre de la Scofie a brûlé. Dans une boîte là, il y a plus de 9 mois, il n'a pas touché. Donc, depuis là, le journal Scofie Moutéa, donc boîte là, ça s'est presque passé inaperçu. Donc, selon ça, employé ministère commerce, fait qu'on est demandé pour le ministre Jonas Kofi, ancien député de la Valasla, lever pied dans la boîte ça. Pas oublier, numéro de la police, c'est 114. Parlez-le sous pas besoin. Centre ambulancier national, 516, pour tout cas coronavirus, 43-33 ou bien 20-20. Si vous avez un problème de l'eau, si vous avez un bail sur la cachette, ne les dînez pas dans 59-59, et puis pas oublier tout. Et si vous avez besoin en province, dans l'île, montez bateau, numéro Semana, c'est 87-22. Demain, vous venez avec numéro secrétaire d'État sécurité publique, question Jérôme Bouchpé a fini. Il faut que Jérôme
bouche parler, parce que bon la journée sur Caraïbes FM. Merci un peu, le 4x4. La prudence est toujours de mise, mon frère. Bon retour, Bekay, et puis toujours été connecté avec nous. Et si tu as gagné, en cas où yon auditeur, tu as partagé une information avec nous. Vous connaissez nous-mêmes, aussi à nous pas trop marié avec Boz. Donc, c'est vous-même, n'a pas demandé pour le confirmer pour nous. Rebonjour, rebonsoir tout le monde. Tout dépend de qui côté, n'a pas côté radio en bas planète plan. Nous comptons rejoindre nous. Nous saluons toutes frères actionnaires haïtiens, haïtiennes, qui fait partie de l'armée américaine, qui est en mission, et qui attendait une coulée là. Donc, ça fait un pile plaisir, Ricardo. Salut l'autre ami pour nous. Et donc, nous comptons à chaque fois que nous joignons si à l'Sayo. Et puis, si à l'Yo vient de nous merger, radio a coulé clé, coup de l'eau dans la coumergée, d'après constat d'Anna Papoulout, qui m'a dit de saluer toute Fren Action, qui a recevé radio à la Grande Rivière du Nord. Pour journée mardi 26 janvier 2021, encore, il y a plusieurs cas kidnapping qui s'y allaient dans la zone d'Elma, Kafou et Latrier. Bon, monsieur Galefine, petit tête net, par contre, ainsi, dans la même logique, Marie-Gouévo, il n'est pas joué. Pour la guerre, tout le monde a paille. Parce mal que, fini. Parce que, oui, mal fini. Mm-hmm. Oui, mal fini. Parce que tu élèves, je te prends qu'à vous, tu élèves l'école nationale. L'école nationale, c'est terrible, ça, oui. L'école nationale. Donc, opposition politique, là, qui n'est pas cachée, colère, face à monter phénomène, là, inviter tout secteur dans la vie nationale, là, lever campé pour éviter des racines et fléaux, ça, hein, qui ne pas suspendre, fait victime dans la population. Reportage, Reginald Rémy. Nous voulons couper bien bas pour nous saluer mémoire Jocelyne Julien qui continue les Sabrina. Son élève dans le lycée Montouya. Hier la journée, il a assassiné. Yes, dans le pays, il y a un drame ça par révolté. Si avec un pile tristesse, un pile monde a constaté qu'on élève l'école ça, tout uniforme, valise dans le dos, a nagé dans un rigol sans. Malheureusement, il n'y a pas de chance d'entrer la caille hier lundi 25 janvier 2021. Machine de sécurité a passé prendre pendant le tape saute l'école. Phénomène ça a cap valé terrain, pas de respect même pour élève l'école. Ravissez la gueule dans la ria comme celle qu'on chante, même policier pas épané, tout le monde sous choc. Haïti tourne un pays invivable. L'opposition politique là continue à exprimer préoccupation face à ce phénomène ça, les qualifier d'insécurité, à kidnapping d'État. Toute information est montrée, toute preuve est montrée, c'est des gens qui ont circulé dans la machine, qui sortent dans le palais national, qui abattent. Jocelyne Julien a été abattue par les hommes, par les sbires de Jovenel Moïse. Nous saluons mémoire victimes ça, qui sont victimes. En plus, nos victimes pays a pas de en pile, c'était estimé, phénomène ça a duré trop dans le pays. Les victimes ont augmenté chaque jour plus plus. Le secteur a levé graine par graine. Ancien sénateur Rika Pierre, plaidé en faveur et enlevé campé général. C'est le moyen d'après le cap permettre phénomène ça a déraciné. Maintenant, on t'attendait. Un journaliste, yo balou balle dans les yeux, li en difficulté pour n'y aller pour le capable faire opération. Policier ya, visez dans les yeux en face li, li pète les yeux. Un journaliste, semaine ça a gagné, c'est quoi ta journaliste y a poté? Parce que y a fait marcher bas de journaliste, crasé à pareil. Secteur politique là a campé la garde de journaliste qui va le manifester pour quoi? Élève garde de journaliste qui va le manifester pour quoi? L'autre professionnel commerçant va le garde de journaliste qui va le manifester pour quoi? Journaliste yo va le faire deux trois gouttes pisser. Cap gaillé, mais pas de kim. Nous, on est au kidnappé policier. Policier, au tireur. Pour kidnapper. SPNH fait manifestation. Pourquoi? En pile levé campé déjà fait pour couper phénomène si là. Dans toute levé campé ça yo, la police toujours montré le sans pitié pour protester yo. D'après Oni Timothée qui dit le constater, comportement ça valable seulement pour une seule catégorie. Chaque groupe monde qui est victime de phénomène kidnapping, automatiquement, yo gon sitting ou yon marche chauffeur, la police toujours baille au gaz. De nous, ça arrivé devant, eh bien. Bureau Premier ministre. Alors que même Premier ministre, qu'on dit toujours parler à gang. Nous n'avons pas même besoin de parler de ça. On dit que c'est presque 15 à 20 moun qui kidnappent presque par jour dans zone ça. Personne ne va épargner. Mais par contre, nous, et tout, le bandit Genève, qui c'est seul chef, seul maestro, nous fait kidnapping, nous et la police accompagner. La police baille aux sécurité, la police pas baille au gaz. Et ça grave là, tout le monde qui a envie de recherche derrière, nous en deux manifestations ça.
bon marche qu'a fait pour nous arriver devant l'ambassade américaine, la police fait jouer marel pour ne pas arriver là. Alors que tout bandit, la police dit la chercher nous, il dérange nos manifestations. Pour débarrasser pays à des phénomènes humiliants, ça a protesté au plaidé en faveur mobilisation, on intimoté, mandé tout secteur dans la vie nationale là, pour pas céder en bas caprice ravisseille. José Mérilien Soubopal, mandé à toute institution scolaire pour poter coller dans deux jours de grève qui prévoit pour 1er à 2 février 2021 cap Vignan. Concernant mobilisation que fait là, les bandits ont dit nous ça, puis à l'op, à balop, ça veut dire depuis pays à balop, nous avons marché, nous avons joué le monde pour kidnapper dans la rue. Ça veut dire nous-mêmes, ouais, tout pour que pas fait là dans la rue. Dégagez nous, cherchez roche, cherchez bout de fer, cherchez bout de bois, cherchez de machine, mettez dans la rue. Ça, c'est que le peuple, pas gagner machine grève, pas gagner bandit, pour machin de grève. Tout le général, c'est mobilisé pour que ça aille ici. Cherchez à gagner, c'est mobilisation jusqu'au bout pour nous faire repasser et imprimer un filard dans ce qui t'a fait dans l'école de pays. Majorité secteur dans la vie nationale là applaudit deux journées grève contre insécurité à kidnapping, qui a bien pour organiser 1er à 2 février cap Vignan. À côté, chauffeur transport, dirigeant à opposition, souhaitait toute institution scolaire dans le pays à respecter mon ordre là pour éviter kidnappés sans foi ni loi, continuer ses élèves dans mes parents pendant qu'ils pourraient le chercher ou sinon mener l'école. Réginald Rémy, Caraïbe FM. Réginald Rémy. Oui, phénomène insécurité, surtout à kidnapping, a commencé à y a une gros conséquence sur le fonctionnement de la société, une situation qui provoquait gros la pérèse, car il y a plusieurs parents qui sont obligés de venir plus vigilants dernier temps devant plusieurs établissements scolaires dans la capitale. Certains parents sayo passé tout le temps devant local bâtiment, c'est là yo aptan timonio. En tout cas, à kidnapping yo dernier temps sayo dans pays, c'est une situation tête chargée. Peterson Luc Samat a visité quelques écoles dans la zone métropolitaine. Port-au-Prince l'a présenté un reportage. 11 ans matin, nous devant local collège Saint-Louis sous Boudon. Plusieurs petits machins chita devant la yé ak bak siret yo. Des machines police est stationnées dans environ l'école là. Policiers ont fait aller vini. Malgré présence la police, plusieurs parents puis fola dan yo ses femmes campaient devant entrée principale l'école là alors que l'hypo collège pour yo lagué. Insécurité à cap valé terrain, si tout phénomène kidnapping là provoqué gros la pérèse ak kè sauté kay parents yo qui dit pas konn ki sain pour yo relé. Parents yo obligé remettre so yo bay bon Dieu. Pérèse pas vrai à l'aise, à vivre à l'aise vraiment. Oui, ça c'est bon, moi-même, par contre, côté pays, ça va aller. Ça cause des peurs, mais quand même, nous allons sur tête, nous allons sur notre bon genouillet. Oui, et bien. Nous allons sur notre bon genouillet. 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 Nous allons c'est tout. Depuis matin, là, même t'es venu faire une inscription tout, mais ma frontière avant ma tour, ne viens chercher encore. C'est insécurité, tout parent prêt qu'on a pour venir chercher élèves yo, bagarre à toutes nos métiers, mon yon abonnement, bah c'est tellement fait abonnement, trop confiance tout à cause des gens bah yo représenter nos pays. Phénomène kidnapping là créé gros la pérèse qu'a été mon yon tout. D'après témoignage quelques parents, des élèves qui comptent pas à l'école, ils ont demandé pour être la caille. Ça va être un gros problème, il y a des gens qui ont peur, pas pour l'école, maman. Mais on peut appeler l'école là, arrêtez la carapelle, papa, arrêtez l'appel. Vous finissez sur un bon Dieu. C'est quand même parce que matin, je vais vous aller à l'école, abonnement vient chercher, il dit, maman, où est ce abonnement qui vient chercher? Il me dit, oui, moi, abonnement est venu. Il va imaginer où ça affecte quand même. Un petit temps après, nous quittons Saint-Louis Boudon, nous prenons direction collège Roger Anglade, il est déjà 11h30. Ici, là, constatez pas des parents. Plusieurs parents qui t'a bien calme dans machine yo plusieurs l'autre campé en face l'école là tant cloche là sonné pour la guetimoun yo habillé avec un maillot qui gen logo entreprise côté là travail la souli Pierre Paul qui t'est bureau pour venir tant petite fille sans pas de voir l'enregistrer papa ça a estimé causer kidnapping là planifié et puis autorité au pas innocent là-dedans si on série parents pas mettre l'eau dans bouche yo pour dire qui gens causer kidnapping là fait au mal et puis agir sous timoun yo gen l'autre qui décide pas parler c'est qu'à jeune maman ça nous croiser devant collège CIM d'après lui-même kidnapping là c'est politique. Phénomène insécurité a frappé système éducatif là bien fort. Kidnapping là gen gros conséquences sur mental élève yo qui déjà après ses voies pas instruction dans mauvais conditions. En pile monde dans population a posé tête question qui avenir génération k'ap vini yo. Peterson Luxama, Caraïbe FM.
pendant on a posé question sur qui a venu génération cap Vinio Peterson mouvement protestation contre insécurité après poursuivre là nous dans commune Cafou un groupe on bloqué la rue hein, hier dans niveau Bizoton à Coutrail il a réclamé libération face à sans condition pasteur Jules Robuste bandit kidnappé hier dans commune Gressier il y a un série mouvement qui continue à affecter activité au principalement secteur transport en commun avec l'école qui obligé rester à porte fermée dans Cafou. Reportage Jean-Georges Blaise. Une fois encore, climat pas trop douce dans la commune Cafou, cap connaît tension sous tension depuis presque une semaine. Côté mouvement protestation tapra poursuivre jusqu'à journée mardi 26 janvier contre phénomène insécurité. Froid ça, c'est tout pas proche pasteur Jules Robuste qui t'a bloqué la rue après enlèvement citoyen ça dans zone Gressier selon témoignage. Ravisseur t'a réclamé $200,000 vête pour libérer pasteur comme condition sine qua proche lio qui était en colère pendant le vécan ça kidnapper monsieur pendant la bin Cafou zone Gressier je vois monsieur $200,000 mais qu'on est quatre petites je prends monsieur à 4 après-midi je vois monsieur hier je vois monsieur $200,000 américain tout au bout même Jésus-Christ lié quoi je pas de nouvelles jusqu'à présent. Et dernier cas enlèvement ça a fini quelques temps seulement après libération yon ti les anges qui tapra l'école a tout fait examen te rallé en bas pour être maman dans zone Bizoton sans compter quartier demoiselle 16 l'année comme élève école communale Pierre Samo qui heureusement te joint libération tout dans finissement semaine passée à qui donc bandit kidnappé pas décidé quitter métier malgré mouvement protestation qui cause Cafou tête en bas jeune jodi qui côté des autres ça a sorti qui gens protestataires comprendre ça qui a passé là certains en yo a expliqué qui n'a pas n'importe qui n'a pas monde $200,000 a dit que c'est ensemble tête yo a dit ouais chaque connaît pas y a pas là libéré si pas libéré prochaine mois Cafou topé zone marine haïtienne Bizoton Ray, c'est espace qui te gagne pile chalet avec Zephyrus qui t'a marché bloqué circulation nan croisé machine à tenir la rue. Yon mouvement qui t'a campé selon protestataire qui l'a encore pas caché mécontentement yo face avec des autres ça, je dis qu'il est inacceptable. Tout en al plan, n'est qu'à fouer, vous savez comment c'est là. Nous voulons le chauffeur qu'on est lié à toute opposition, avec vous, c'est tout ça. Tout ce n'est que nous à vivre dans le pays. Tout ce n'est que nous à vivre. Mais c'est nous-mêmes, mais. Quel moment vous. Non, mais ça n'est pas. Quelle est l'évolution comment c'est qu'à fou. Sous ce sous-blague. Qu'à fou balève. Non, tout ça, oui. Mais qu'à fou balève. Ça, monsieur Mardi. Relâchez, monsieur. Entre temps, c'est pas seulement chauffeur transport qui peut prendre la rue face avec situation tête chargée ça. Gion ban l'école dans commune Cafou qui obligé rete ak porte fermée jusqu'à nouvel l'ordre. En tout cas, prep haïtien qui lagué tant coup petit ni sangado semble récipré dans trois rois face avec toute qualité mafia. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci en pile Jean-Georges Blaise. Bonjour New York, Derizier. Ça fait un pile plaisir. New York dit le pan dans l'islam matin. New York, bonjour, hein? Bon mercredi à Caraïbes. Toujours dans ça qui domine l'actualité, hein? Dans le dossier tête chargée, dossier kidnapping, intervention chef d'État pays à Jovenel Moïse, dans la date 25 janvier 2021, sous page Facebook, montre clair coup de l'okokoye. Li échoué total capital. C'est analyse coordonnateur général organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti à OCNH. D'après M. Camille Oxius, chef d'État paysan a tenté présenter un bilan qui bourré avec menti. Insécurité généralisée, mauvaise gouvernance, corruption, violation systématique de l'homme, ces divers gabegies qui caractérisent l'administration Jovenel Moïse là, d'après M. Camille Oxius. Toutefois, militant de Bamounan précisé, président pays à Jovenel Moïse, il n'a pas aucune volonté pour organiser élection dans le pays à tout bon vrai. Pour justifier ça, M. Oxius cite façon président, mettez conseil électoral provisoire sous pied avec nomination ministre chargé des affaires électorales. En écoutez M. Camille Oxius, dans le micro collaborateur nous, Johnny Ferdinand.
Lorsque le président Jovenel Moïse a annoncé l'interval parler avec la population, l'en considéré le kidnapping, l'insécurité, la vie chère, le problème de santé, la crise politique qui gagne dans le pays, en pile monde te pensé, le président est réveillé et l'interval parler en fonction des problèmes et la population à tirer. Mais dans la réalité, après le président fin parler, nous déduisons le président fait un bilan qui remplit de mensonges. Et puis tout, en dans même déclaration ça, il continue à faire des promesses de campagne et il n'y a pas même qu'à réaliser parce que en 2015, le président a fait en pile promesses de campagne, mais si n'a pas gardé résultat, le président échoué. Et nous capables de dire, sous administration Jovenel Moïse là, droit moun pas respecté. Donc, lorsque droit moun pas respecté, ou bien mauvaise gouvernance, ou bien corruption, ou bien impunité, insécurité, kidnapping, tout ça yo. Et c'est ça yo qui bilan président Jovenel Moïse. Donc, lorsque le président là, lui parlait de organisation élection, nous pensons mettre campé un conseil électoral inconstitutionnel, nommer citoyen Mathias Pierre qui était déjà grand joueur par les nationales. Pour nous-mêmes, c'est deux actions qui traduisent absence de volonté président Jovenel Moïse pour organiser élection. Question élection, lui dit l'organiser là, c'est sous forme parce que le président bien connaît. Un conseil électoral inconstitutionnel qui n'a pas prêté serment devant cour de cassation, pas capable d'organiser élection. Le président bien connaît, un ministre qui est chargé pour régler question élection avec parti politique, citoyen Mathias Pierre, qui déjà poulé par le national, pas capable de jouer rôle ça. Donc nous disons c'est deux actions qui traduisent clairement absence de volonté président pour organiser élection. Et nous pensons président l'est arrivé pour ne pas continuer à passer population en risque. L'autre bagaille, le président parlait de problèmes qui d'appelent. Chef l'État, pas plein, chef l'État agit. Moi-même, je demande au président, c'est pas plein pour plein. Quel que soit côté kidnapping en sautillant, c'est le président qui a une responsabilité pour poser des actions concrètes pour freiner. Pas de question à bailler parti politique pour des charges, ou à bailler opposition pour des charges, ou bien pouvoir. Moi, pas besoin de connaître ça. Comme président, vous avez une responsabilité pour travailler, pour garantir droit à la sécurité, droit à la vie, droit au logement. Donc, c'est pas vraiment mon président plein encore. Parler des questions mandat à finir, à organiser l'élection après 8 mois. Côté qui gagne un chef l'État qui gagne une moralité, le président garde pour côté saleté pour mettre. Et je dis un pour le tant pour le bas au résultat, c'est violation de droits humains, mon a consommé. C'est insécurité, c'est kidnapping, mon a consommé. Donc, moralement, le président a doué et prend une décision qui a permis lui-même de lui sentir de son personne morale. Est-ce que Mme Jovenel Moïse a prévu dans votre lit, dans la date 7 février 2022, Jean-Chef l'État a toujours fait quoi ça, en tout cas, responsable centre recherche, chaque analyse dans affaires droit monde prouvé le contraire. J'ai dit en Jean, c'était 7 raisons qui prouvaient mandat président de la République a prévu dans votre lit 7 février 2021. Ouais, pas ouais. Parmi ensemble, raison ça y est, responsable Cadlan souligné, c'est seule constitution qui définit durée. Mandat et l'UO. Nous suivons compte rendu à Lydia Alexandre. C'est pas bon avec pas paquet, mon ap victime phénomène kidnapping dans le pays d'Haïti. Situation ça la cause stress, problème psychologie envahit population. Pour victime yo, expérience lan kite yon go amen en bouche yo et même affecté mental yo. Yon situation psychologue ka di chodi li regrette. Traumatisme ak syndrome post-traumatique, c'est mauvais souvenir ak la peine événement ça ki te la kay moun ki victime nan. Yon traumatisme ki rive nan denye limite li, c'est les sitou négociation pour libération yo prend temps pour abouti. Problème pas qu'à dormir, toujours en colère, c'est parmi quelques comportements victimes non souvent développés après les fins libérées, d'après les spécialistes là. Donc, on a fait mauvais rêve, on a fait cauchemar, on a pas qu'à dormir, on a eu un problème de concentration, on a eu un problème de commencer triste, de commencer à être un petit coin pour contre donc il a eu un développement de dépression, et puis on a eu un goût la pérel par ce côté qui a appelé l'événement, c'est une machine qui semble la machine dans les années de métal là, c'était ou elle est en train d'intégrer dans la couleur machine, à chaque fois que machine comme ça, il y a comme une impression, c'est un événement qui est passé encore, même on n'a pas capable de développer, on sort de trop.
troubles anxieux et puis on a quand même des problèmes de sommeil. Le problème de sommeil là, ça arrive de cette qualité de sommeil là qui est affectée dans le sens que mon a dormi, mais il a sauté dans le dormi. Mais qu'on s'en trouve, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir du tout parce que depuis que je fais mes jeux, j'ai l'impression que c'est saine là qui a produit devant eux. Violence physique et viol fait partie conséquences qui sont capables de quitter mauvais souvenirs après un kidnapping. Femme en particulier victime deux fois phénomène ça. Ça a un gros impact sur le comportement femme victime là, d'après psychologue là. Jeff Kadishon dit qu'il condamne Zaksayo parce que mesdames yo toujours vle rayi tèt yo et même penser touye tèt yo après yon ka kidnapping. En plus de stress post-traumatique, nous jouons la générale la carte tout moun yo, syndrome de Stockholm, nous sommes expliqués, nous sommes présentés, mais la carte moun qui se dit viol dans le même moment, il se mette à pse soukous, donc c'est le facteur par exemple des troubles alimentaires. Donc il y a la carte moun qui est soit moun manger trop, soit moun ne veut pas manger du tout, il y a une carte sexualité moun tout après. Donc, il y a un rapport mon avec colis, avec tête, estime de soi, si un cabis est en pile, il sent qu'il va en valeur encore, un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité. Et nous, quand je viens, nous avons une tendance que la prenne des objets tranchants, et puis la blesse tête, ça nous a les automutilations. Et ça, c'est un signe de détresse et de souffrance psychologique. Jouer un support psychologique dans mes familles, c'est plus gros thérapie. Il y a un monde qui est victime de kidnapping capable de bénéficier dans la ville. D'après Dr. Kadishon, parce que victime n'a souvent absongé chaque jour, mauvaise expérience, l'innécessaire pour balayer en vie vive. C'est une réaction qui est normale et qui est compréhensible. Parce que, en pile fois, le fait que nous ne pas comprendre que nous n'avons pas une réaction sérieuse, ça veut dire que nous, quand nous sommes coupables, nous sommes bons, nous sommes libéraux, donc nous ne pouvons pas mourir, ou vivant, on a besoin de crier, on a besoin de sentir mal. Alors que, faut que nous comprenions que ce n'est pas parce que nous libérons, nous sommes vivants et que physiquement nous ne sommes pas en forme, ça ne veut pas dire que nous sommes en forme totalement pour ça. Donc, sur le plan de la santé mentale, donc aux conséquences que nous sommes capables d'observer la carrière, il est important pour entourage, je connais ça, parce que notre affaire, soutien social, là, soutien familial, là, il est vraiment fondamental. Il faut qu'on a senti qu'il y a support entourage lui, pour être capable de faire face à cette situation ça, après les familles. Une autre catégorie n'a pas de négliger, c'est ça, il y aurait les victimes indirectes. Dans la catégorie ça, il y a des gens qui sont toujours stressés, soit après un proche qui était kidnappé, ou bien yon moun li jistande a pale, men li pa konnen di tout. Se realite plizye milyon ayisyen ka pretan ki le machin ensekirite sa a prive sou yo. Fenomen kidnapping sa touche tout sekte nan vi nasyonal la. Silans otorite yon nan dosye sa sispek anpil dapre anpil observate. Pendan stan, tout tentative pou leve voa kont fenomen nan toujou fini ak yon lot traumatis, puisque la polis toujou krasé mobilizasyon yo ak kout gaz lakrimogen pou empêche citoyen yo revendiquer droit yo. Lydie Alexandre, Caraïbe FM. Merci un peu, Lydie Alexandre. Mais Guerrier, il y a une grande question qui a posé dans la société, qui a demandé que finalement, qui côté nous? Et si nous avons prêté parole, ancien sénateur, là, où vont-nous dans ce pays? Donc, pendant que nous avons dit, pas qu'un béli, pas aller écrire. Donc, on connaît son journal, je ne sais pas, parce qu'automatiquement, on entendait nous dire, là, tout écrit, mais ton côté, pas écrit ça, d'accord? Son sénateur de la République qui était monté tribune, là, qui était dit, où vont-nous dans ce pays? Derrière moi-même, je sidéré. Mais ça veut dire que je suis tombé des nues. Donc, ça veut dire que Jean Mounio dit, j'ai le sang vraiment glacé parce que semaine dernière, fin semaine, nous avons manifestation Genève en famille et alliés. Moi et tout. Et qui ça? Qui était étoile de fond ou bien les motifs grande sortie Genève là? C'était vous dire non avec kidnapping. Par contre, c'était ouais. Tu n'as pas qu'à. Regardez mon parcours, maman Pemba. Foule. Sorti devant marine haïtienne, rivé devant marché poisson. Par un côté, vous faites que c'est bien. Mais là, je vais regarder la vidéo, je vais prendre ensemble pour regarder.
semblait que vous machine la police qui a couvert manif là. Et là, moi, tout même temps, on premier, on en photo. Même, donc, mon dit que pour moi, dit, est-ce que c'est mon trucage? Mais vous elle pour moi encore. Mais non, même manif ça, même bien pas gain sans identifier tout le monde, mais m'identifier Jimmy Cherizier, alias barbecue, devant caméra la presse, réseaux sociaux, etc. Et puis moi, la police a couvert manif là. Non, mais comme disait Boileau, parfois, quand on rit, il faudrait en pleurer. Moi, je vais la calame, prends plus, moi, je me tremble, je me dépose, je me mette là. Parce que m'après les autres monde qui était là, parce que moi-même, le week-end, moi, c'est pour faire province, moi, je vais gérer, pour me demander qui ça passait, est-ce que c'est vrai? Mais moi, manif là, bien déroulé. Oui. Bah, oui, gaz lacrymogène. Pas de tir. Tout le bagage bien passé. Mais c'est même pour voir ça qui mettait même la police nationale là qui mettait à vie de recherche. Mais est-ce que non, est-ce finalement ça crée encore? On pense que c'est sans raison l'aime dire qu'ils sont pays spécial. Ah oui, tout à fait. Ouais, toute bagarre là. Non non, on parle dans un profond de spécialité là. Sous tête chaque manifestation, manif là. Gen un nèg qui prend la parole. Mais que je ne connais pas monsieur tellement bien. Monsieur dit que mes solutions kidnapping. Automatiquement, l'autorité a fait ça. Kidnapping a baissé. Il a demandé pour couper tête deux ministres du gouvernement. Vieux ami, moi, Odin Fils Bernadel, et Cavalier pour Kamouenabaye, mission évangélique, etc. Et puis, ministre des Affaires sociales avec travail là. Gayo là? Oui. Tu dois ça. Non, oui. Tu dois ça la devine la matière, hein? Parce que. Moi, quand je me saisis comme ça, monsieur. Monsieur, fin, qui la manif pêche yo? Quelle défaite à ce week-end là? Week-end là, oui. Mm-hmm. Autorité autant de messieurs rapide vite, yo, révoque le ministre des Affaires sociales là, oui. Bon. Monsieur, même mon petit mini, nom nous pas gagné. Même s'il était dans l'agenda nous pour nous te remplacer parce que le ministère a bloqué, effectivement. Mais automatiquement, monsieur, ça au fin dit ça. C'est ça que le contournement de obstacle majeur. Qu'on y a faut que nous contournions l'obstacle là. Dit vraiment le tenant plan nous pour nous refaire le ministère là. Mais comme c'est monsieur ça qui mandait révocation ministre là. Et tout le monde connaît M. Sayo, il est en contravention avec la justice, avec la loi, avec nous-mêmes qui sommes autorités qui mettent à vide recherche derrière yo. Pour la société à parler, c'est voix qu'on attendait et on habitué à dire ça. Nous pas prévoquer le ministre là, mais qu'on a un plan pour nous révoquer. N'a pas demandé pour le prendre engagement pour faire ministère là fonctionner, n'a pas accompagné pour réouvrir le ministère là, pas vrai carrière. Même si n'a pas gagné pour nous changer l'après. Monsieur, n'a changer ministre automatiquement oui. Ou pas sur là, ou pas bien là. Qui est dans remplacer, c'est moi qui en fait plus que dans remplacer. C'est dame mon premier qui cap jouer là AI. Mais pour ça mon ça prend monde finalement. Monsieur, ça m'a intéressé ça. En entraînant là. Oui, citoyen est venu, parce que citoyen dit même c'est son cadre lié. Moi, je fais 8 ans, je pas dormi, et ça fait que vous regardez, vous me trouvez sur page Facebook, vous avez minuit, une heure, m'a échangé vos messages avec quelques amis, etc. Je ne sais pas comment ça passe, monsieur. Monsieur, et il n'y a pas de fumé. Autorité dans le gouvernement. Il n'y a pas de fumé. Regarde, monsieur. Oh, monsieur, c'est ça nous faire un pays. Bon, qu'on y a un appel de Genève. Bon, on va prendre ça pour tout le monde. M'a dit Genève. Continuez à nous écouter, mais pays. Genève, continuez à nous consultation. Parce que c'est nous, vous attendez. Nous, c'est la voie autorisée. Continuez. Mais c'est Genève, il n'y a pas campé, non. Continuez à le pays en bourrade. Continuez sous même l'ancien. Oui, c'est vrai, ça dit, Anel, c'est une manifestation. Les oreilles qui tendent nous.
Non, Anna Joseph, il l'a manifesté, il passe là, des fois, des fois, radio. Non, Anna Joseph, ça a été des explications pour bail, dommages collatéraux, et donc c'est en plein cœur du champ de Mars, et en pile au full moon, ou pas qu'à faire une intervention rapide, nous te comprenons dommages collatéraux, nous te commençons par les petits crédits, mais on est là pour qu'on côté de rentrer, avec toute équipe là. Il va rentrer sans graines amenées, il va toutes graines amenées. Si nous pas de dommages collatéraux, j'en nous dis là au champ de Mars, nous pouvons avoir une équipe à attendre combien rentrer de gagner sur bicentenaire là. Mais est-ce que nous avons fait un peu de temps? Non, non, insécurité, il y a un kidnapping, ça a vrai. Et quand il y a moins, on est capable de dénoncer le moins danger. Ou en danger? Vous voulez me comprendre, bah, là? Et pas sans raison, dernièrement, nous t'es venu avec Charles de Gaulle pour me dire, autorité, PIA, je vous ai compris. En passé. Le débat sur date 7 février, après poursuivre, est-ce que le mandat Jovenel Moïse a privé dans Boutli dans date 7 février 2022, Jean-Chef l'État. Toujours fait croire ça, en tout cas responsable, sans trop chercher à analyse dans les affaires droit, mon cadre prouvait le contraire. Gédéon Jean cité 7 raisons qui prouvaient mandat président République l'a privé dans Boutli 7 février, année ça, ouais par ouais, parmi ensemble, raison ça y est, responsable, cadre l'a souligné, c'est seule constitution qui définit durée mandat élu. On suit un compte-rendu avec Lydia Alexandre. Interprétation des textes juridiques, logique, respect de la Constitution, les mots ne manquent pas dans les débats sur l'échéance du mandat du chef de l'État. La fin du mandat de Jovenel Moïse, véritable énigme à déchiffrer pour les hommes de loi et les politiciens. Si la Constitution définit clairement la durée de son quinquennat, le locataire du Palais national persiste et signe qu'il partira le 7 février 2022. Même si Jovenel Moïse avait pris les rênes du pouvoir le 7 février 2017, le processus électoral qui a abouti à son installation a débuté en octobre 2015. Maître Gédéon Jean évoque cette raison qui prouve que Jovenel Moïse ne reste que moins de mois à passer à la magistrature suprême, au premier chef desquels le pouvoir d'un élu n'est pas calendaire. Et la première raison, mandat élu, lui défini par la Constitution. Donc c'est pas un élu qui détermine le mandat, mais c'est pas un qui définit bien. Deuxième raison, durée mandat président, député, sénateur, n'est pas calendaire. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours une date pour date, mais l'inscrit dans les échéances constitutionnelles. 7 février 2011, 7 février 2016, 7 février 2016, 7 février 2021, 7 février 2021, 7 février 2026, tant que vous pouvez avoir la Constitution. Troisième raison, mandat président commencé le 7 février 2016, quel que soit l'année prédéterminée et quel que soit l'année où tu fais l'élection, ça va être votre mandat commencé le 7 février 2016. Une synthèse du rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits humains présente la durée du mandat du chef de l'État en s'appuyant sur la loi et la Constitution. Pour étayer ses dires, Gédéon Jean se réfère au discours d'investiture du chef de l'État, où ce dernier avait fait mention de l'aboutissement du processus électoral de 2015. Le militant des droits humains évoque l'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. En d'autres termes, quelle que soit la date de la fin du processus électoral, le mandat de l'élu arrive à terme dans l'échéance fixée par la Constitution, selon l'article 134-2, corroboré par l'article 239 du décret électoral de mars 2015. Troisième raison, le mandat présidentiel capable d'exercer par trois présidents. Ça, c'est l'article 149. Par exemple, on peut présenter lui, c'est un fou, c'est un mourir. C'est dans l'état de Mars, et bien le Sahara, c'est le premier ministre correct qui va faire élection par les jours pour élire un président qui va compléter le mandat. Vous savez, vous parlez de président qui est élu, premier ministre, et puis prochain président, ça pour toi. Et en deuxième hypothèse, c'est deux, lorsque par exemple, en passant les produits, la quatrième année mandat président, le Sahara, c'est l'Assemblée nationale qui va le dire, le nouveau président, mandat et constitutionnel président, c'est le cas exercé par deux, jusqu'à trois présidents. Cinquième raison, c'est que l'amendement qui était fait, c'était pour harmoniser la constitutionnelle et l'électorale. Élection 20 novembre, c'est continuité élection 2015. La Constitution n'a aucune anomalie en ce qui concerne la durée du mandat d'un élu, déclare Gédéon Jean, fustigeant le mépris du chef de l'État de la charte fondamentale sur laquelle il a prêté serment. Un débat clos, selon le responsable du cadre, invitant le peuple à décider sur son sort. En revanche, ils sont de mauvaise foi, les politiciens. Ils ont ça, parce que pour qu'ils soient en défaillant en 2011, c'est une raison majeure, pour nous dire à tout ça, c'était pour harmoniser les deux. Mais le Jovenel Moïse, qui a été votre président, comment on a ça, le fait. Je dis à la, où est-ce que le téléphone de nous écoute,
service d'intelligence, écraser toute institution. La Constitution ne laisse place à aucun doute en ce qui a trait à la durée du mandat d'un élu. L'article 282 de la loi Mère fait coïncider le temps du mandat présidentiel et celui du législatif. Autrement dit, la durée d'une législature est de 4 ans et celle du président 5 ans. Donc, si le chef de l'État a constaté la fin du mandat des députés et la caducité du Parlement en janvier 2020, l'échéance de son mandat survient un an après. Lydie Alexandre, Caraïbes FM. Merci un peu, Lydie Alexandre. Chef de l'État PIA, Jovenel Moïse, dit prend route pour dégénérer net si tous les refusés accepter échec li dans façon la diriger PIA. Parole qui se tient en bouche, Petro Challengers, qui regroupe eux dans structure nous conscients. D'après l'organisation ça, bataille pour respect constitution et décret électoral 2015 là, invité Jovenel Moïse rete ce pouvoir après 7 février 2021. Si on dévoie tout citoyen à la Moun Madè, nous conscients plaider en faveur d'un soulèvement populaire pour éviter retirer le régime ça dans tête pays. On écoute plus de détails avec Eben Skade, qui est dans le micro Jean-Paul Lundi. Déclaration Jovenel Moïse via réseaux sociaux. Si son monde qui a un minimum respect pour la population, au lieu de constater échec li, comme président qui sortit dans l'élection en 2016, je dis à nous en 2021, il était supposé uniquement dire population, annoncer population, 7 février 2021, mandat a fini de constater échec li. Ça ne constate, c'est que quelques jours avant la fin de son mandat, il continuait dans même promesse tête en baillot. Puis toujours continue à parler de promesse courant 24 sur 24. La parler c'est comme si tu as sécurité dans le pays. La parler c'est comme si pas de grand boue dans le pays. La parler c'est comme si pas de kidnapping dans le pays. La parler c'est comme si il pas volé l'argent Petro-Caribéen via Agritrans. La parler c'est comme si il était pour pays, il mettait sous rail développement et la baillon bilan positif. Et que je dis là, situation d'existence population prouve clairement Kekena, Jovenel Moïse là, il n'a pas réalisé rien. Ça qui a fait la rage aujourd'hui, c'est kidnapping personne en sécurité. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est grand goût dans le quartier populaire. C'est massacre. Et c'est dans ce sens ça, mouvement mobilisation que nous-mêmes, nous disons là, tout côté, il y a un foyer de résistance à travers les 10 départements. Nous, by Lord, à toute coordination départementale, nous conscients. À travers l'étape de concertation pour justement mobiliser, pour forcer Jovenel respecter la Constitution. Qui dit, mandat a fini 7 février 2021 avec article 134-2A et article 239, loi électorale 2015. Et c'est dans ce sens-là, nous dit population, renforcer mobilisation sous béton. Nous dit population, pas inquiéter, utiliser toutes armes les capables d'utiliser pour le capable de bataille. Utilisez tout ça en guerrier comme outil, comme âme, pour le camper en face au dictateur, pour le camper en face au antidémocrate, pour le camper en face au nègre qui quelque part pas respecter la constitution pays. Nous-mêmes, comme nous conscients, nous faisons partie du comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la constitution. Nous appelons la mobilisation. Et c'est dans ce sens ça nous dit, ensemble de groupes qui ont réuni là aujourd'hui, pour mettre tout. Question intérêt de groupe de côté. Mettez tête nous ensemble pour nous débrouiller. Nous, comme M. Jean-Jacques, nous faisons ce maintenant pour une alternative commune qui dehors. Et pour dire clairement, côté nous parlons du président pour transition, hein, gouvernement comme on l'a composé, pour dire clairement, quelque part, sur la situation économique du pays, mais ça ne va pas le faire. Donc, alternative ça, supposé sortir en fin de semaine ça. C'est ça nous-mêmes, dans nous conscients, qui te fait proposition de sortie de crise via Texas qui titrait projet d'avenir en commun, c'est ça nous demander opposition. Cap bataille pour déraciner régime PHTK.
Qui ça qui pourrait arriver dans le pays toutefois, c'est toutefois un président Jovenel Moïse qui a refusé de quitter le pouvoir 7 février 2021. C'est pral gros kachouboumbe à des désordre généralisé. C'est réponse à porte-parole secteur démocratique et populaire. Mais André Michel qui voulait jeter toute l'idée pour participer à l'élection avec pouvoir en place là, rappeler mandat constitutionnel président de la République là, privé dans votre livre par la date 7 février 2021. Avocat, militant, invité, société civile là, toute communauté international prend acte à pays et puis prend responsabilité yo. Quant à opposition plurielle, M. André Michel fait qu'on a rencontré à multiplier pour arriver à aboutir à qui ont vraie alternative après départ locataire par les nationales. M. André Michel, tu as répondu à une question, Johnny Ferdinand. Jovenel Moïse déjà participé à massacrer Mon La Saline, il déjà participé dans le massacre Moun Belé, dans le massacre Cité Soleil, dans le massacre Pont Rouge, dans le massacre Cafoufeuille. Il a déjà participé dans l'assassinat de Ban Moun dans l'occasion de la manifestation pacifique. Eh bien, c'est Jovenel Moïse qui vous connaît, qui côté le praler, qui côté le choisir dans le pays. Mais moi-même, ça me connaît, ça tout le monde connaît. Le 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de discussion sur ça, pas de aucun monde dit le contraire. 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini 7 février 2021. Maintenant, la parole de question élection. Moi, je crois que toute partie politique dans l'opposition a été prononcée déjà sur ça. Et moi, je crois que toute société civile a déjà prononcé sur ça. D'ailleurs, tout groupe qui était participé dans le métier de conseil électoral provisoire, ils ont tout dit au paladin parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, il est clair que Jovenel Moïse est totalement en dehors de la place, en dehors de la dynamique politique et sociale actuelle. Je dis, il y a deux bagailles qui sont importantes pour nous. C'est le plus vite possible présenter à la nation une proposition pour la gestion et la réussite de la transition. Et deuxième bagaille qui est importante, c'est la préparation, la poursuite de la grande mobilisation citoyenne. Dans ce sens-là, nous faisons une conférence de près jeudi à avec le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Tout le monde connaît que le 29 janvier, Kabina a bien gros mobilisation dans le Grand Sud, au Caï, Ragouane, Tigouave, Grand-Gouave, Léogane, Limbé, au Cap, et la Crié. Et 31 janvier, Kabina a bien une grosse journée de mobilisation nationale. Le peuple a pu sortir dans la rue, tout partout dans le pays. Et 1er 2 février, c'est deux journées de grève. Messieurs, dames, syndicats avec société civile qui proche population à lancer, et nous-mêmes dans le secteur politique-là, nous croyons gonfler pour nous, participer dans la bataille, pour nous faire respecter l'article 124-2 Constitution, qui dit très clairement que le mandat constitutionnel Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Et nous demandons, société civile, nous demandons, secteur privé, pour nous prendre responsabilité, nous demandons, communauté internationale, à prendre responsabilité, parce que le mandat Jovenel Moïse finit 7 février 2021. Si M. Choisy fait des ordres pour plonger le pays en chaos, eh bien, c'est Jovenel Moïse qui a porté responsabilité. S'il y a des ordres, s'il y a des choutages, s'il y a un tapage, c'est Jovenel Moïse qui a porté responsabilité. Hein, parce que constitution en clair, 7 février 2021, c'est fin mandat constitutionnel Jovenel Moïse. Ce sera le chaos, ce sera le désordre généralisé, ce sera le chaos, ce sera le déblosage. Jovenel Moïse va mener le pays dans des choucages. Notre travail, les discussions se poursuivent, les rencontres se multiplient. Je dis à une dizaine de rencontres. Côté, on parle avec Ola, on dit en réunion, on vient parler avec Ola. C'est une réunion, on a participé, on avance à grand pas. Mais André Michel, dans l'opposition politique, là, qui, de l'autre côté, mettait dehors un nouvel calendrier manifestation, série manifestation, ça y est, on va commencer à partir 29 janvier et à priver jusqu'à date 7 février 2021, dans tout quatre coins pays. Mais André Michel a annoncé, il y a pas gagné pour écrit, quelques instances internationales pour venir observer comportement la police dans la manifestation qui prévoit organiser dans tout pays 31 janvier, qui venir là, en écouter en on promet André Michel, lit toujours dans le micro, Réginal Rémy. Dans ce sens-là, nous déjà prenons disposition pour nous écrire des organisations de droits humains pour que d'ici 31 janvier 2021, nous ayons des observateurs étrangers qui présents dans Port-au-Prince, tant qu'on est en ville provinciale, pour suivre le déroulement de la dernière phase de la mobilisation populaire. C'est des gens qui sont bien équipés. Il y a plein de gens qui ne sont pas connus là.
caméra yo ap nan men yo et c'est moun sa yo qui pral aider nous prend image policier kap lanse gaz lacrymogène prend image policier kap tiré sous population pendant y ap exercer droit démocratique nous déjà bon correspondance nous pral voyer bay PORDH c'est la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains nous bon correspondance qui déjà aljoint Nero qui sont organisation basée à Boston pour que effectivement d'ici 31 janvier 2021 nous avons un bataillon d'observateurs internationaux qui présent en Haïti dans Port-au-Prince tant coup dans ville provinciaux pour suivre pour observer déroulement dernière phase mobilisation populaire. Nous capable dire où nous préparer pour que 29 janvier 2021 cap venir là, c'est vendredi la pied, il y a deux zones particulières dans le pays qui pourra le soulever. Par exemple, Vilokay a pris une grosse journée de mobilisation parce que nous déjà prenons toute disposition pour tout bagaille passer bien. Miragouane a gagné une mobilisation. Tigouave, Grand-Gouave, Léogane, Dressier, toute la région des Palmes a mobilisé vendredi 29 janvier 2021. Cafou a très mobilisé et je dis à 10 ports aux 4 haïtiens qui sont des gens timides. Eh bien, tout leadership, bon, opposition nord, à force opposition nord, aux 4 haïtiens a rentré dans mobilisation en force d'ici vendredi 29 janvier 2021. L'imbé a mobilisé Guanamet à 31 janvier 2021. Pour mobilisation nationale dans tout département, yo, dans toute ville, yo, 31 janvier 2021, peuple a dans la rue. Dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le sud, dans le sud-est, ouais, dans l'ouest là, dans toute zone dans l'ouest là, et Kinskoff, Pèlerin, Pétionville, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Cafou, Port-au-Prince, Tujo, toute zone honnête, canapé vert, population a descendu dans la rue massivement. Solino, Belay, population a descendu dans la rue massivement dans Port-au-Prince. Et n'a monté Pétionville, parce que nous avons des gens qui ont sorti Thomasin, qui ont sorti Kinskoff, qui ont sorti Pèlerin, et sorti Pétionville, n'a descendu Boudon pour nous aller parler avec Jovenel Moïse. Pour nous dire, 7 février 2021 arrivé, le temps pour lui comprendre la nécessité pour le respecter article 134-2 Constitution. Hein, parce que pas gain route, pas bois, parce que dans la bataille pour faire respecter la Constitution, hein, peuple haïtien pas fait bac, jeunesse la pas fait bac, chauffeur motocyclette pas fait bac, différentes couches dans la vie sociale pays d'Haïti pas fait bac, nous pas fait bac. Article 134-2 Constitution hein, respecté. A bien mobilisation le 31 janvier 2021 dans le département Sainte, a bien Mimbalé Henge, a bien Latibonite, c'est-à-dire Gonaïve Saint-Marc, a bien Tigouave, Grand-Gouave, Nip, Miragouane, Fondenègre. Bref, c'est extraordinaire. Et pas oublier, tout syndicat yo mettez ensemble. Et ce n'est pas seulement syndicat, organisation dans la société civile. Bon, bien sûr, on a parlé de la société civile qui est proche du peuple là. Donc, on est ensemble, on a lancé deux journées de grève pour 1er février avec 2 février 2021. Je vous avais coup fiel à entendre Maître André Michel, qui tu vois, j'ai toujours en mer en pile, mais Noël dit à pire en mer, des fois, ouais, on dit quoi, ça va passer comme ça. Donc, annonce jour en mer, elle a cherché l'autre monde pour annoncer, parce que chaque fois, Maître Michel passe du fait, elle mettait bah, dans le boucan. Boucan, pas que le monde même qui va gagner, mais pour faire boucan. Donc, il y a un petit rappel qui nous capable de faire, un petit discours enflammé, une petite intervention en mes coufiel. Et par exemple, si Jovenel Moïse est arrivé président du pays d'Haïti, après du pays à San. Juste pour rappel. De toute façon, Saka Lakawel, Napsuiv, Jouyo, Tijan, vraiment, bah, tête chargée, bah, qu'elle est, vin joindre avec maladie Pongongon, Gal, Gratel, kidnapping, véritable tête chargée, ça fait dans pile l'église, yo, yo a réfléchi sur racheter le temps, car les jours sont mauvais.
Rencontre mardi 26 janvier 2021, président Sénat républicain Joseph Lambert avec ambassade des pays Canada à Port-au-Prince. D'après sénateur sud-est, discussion est basée sur la situation politique pays sous après 7 février 2021, dossier élection à question constitution. Sénateur Joseph Lambert exprime volonté Sénat haïtien pour permettre l'ordre constitutionnel là rétabli comme ça doit dans pays avec institution légitime. Président Tires Sénat critiqué tout façon conseil électoral provisoire mettez sous pied une institution électorale qui d'après ça dit pas gain aucune légitimité pour engager pays dans un processus démocratique tout bon. Sénateur a rappelé désormais Sénat République là reprend autorité elle, et c'est raison ça qui motive nouveau bureau à engager dans un pile rencontre avec différents partenaires locaux d'un coup international pour rebâiller institution en force li. N'a côté précision Papa Tounen, sénateur Joseph Lambert dans micro collaborateur nous Wenchel Adrien. Que ce soit nos amis d'Haïti, comme le directeur général de la police, au commandement de la police, pour nous rencontrer avec Koudek, pour nous connaître ce qui a passé dans l'État et pour nous connaître qui dispositif nous-mêmes, tout en tant que sénateurs de la République, pour nous mettre en place, pour nous garder ensemble ce que nous sommes capables de faire. Parce que ce qui est dénominateur commun pour nous, c'est Haïti. Mais ce qui met nous là pour travailler pour nous, c'est le peuple haïtien. Mais nous rencontrons tous nos amis de l'international. Il y a des amis que nous rencontrons en privé, tout comme nous avons rencontré des amis tout ici à, dans le Sénat République. Le Sénat a été plongé dans une sorte d'amorphie pendant un bon bout de temps. Et nous voulons tenu à rappeler que le Sénat est un pouvoir entier, un pouvoir qui est égal avec le pouvoir exécutif, là, dans la limite que la Constitution a bah, nous et dans la prérogative que le fixé bah, nous chaque. Et nous rencontrons avec déjà de monde de l'OEA, nous venons pour nous rencontrer avec des mondes dans la Banque mondiale. Dans BID, nous avons rencontré avec nous dans les Nations Unies, nous avons pris l'échange avec nos collègues partenaires du Parlement européen, nous parlons avec collègues nous autres au Canada, nous avons des correspondances que nous voulons bailler dans tout le Parlement qui est par l'Amérique, UP et autres, etc. Nous sommes déjà en contact avec quelques 198 parlements à travers le monde. Nous avons établi force Sénat au niveau international et en même temps, on a renforcé l'autorité Sénat au niveau national. Nous avons des correspondances que nous avons avec Nancy Pelosi, qui a plusieurs réceptions par email échangées. Et nous avons sous peu pour nous rencontrer avec Nancy Pelosi et en même temps le président du Sénat américain. On a travaillé d'arrache-pied et je dis à nous rencontrer avec l'ambassadeur canadien en Haïti. Moi-même, avec collègue vice-président, sénateur Kepler, j'ai parlé de situation pays, crise pays, la gestion post 7 février. Salier, j'ai parlé avec les taux de nécessité pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections et à travers des institutions légitimes. Pas ce conseil électoral, je dirais fantoche, mal fabriqué, qui va assermenter devant la Cour cassation. Nous parlons tout de questions constitution, projet constitution. Nous échangeons point de vue. Nous parlons tout de dialogue. Parce que très où ça va, pour ambiguïté sérieuse, question article 134.1, 134.2, qui fait problème et qui sont dilemmes. Et je viens de dire, c'est à travers le dialogue que nous sommes capables d'essayer, garder qui j'en suis capable, rapprocher les pôles contraires, rapprocher les tendances contraires et faire de telle sorte que l'on parvienne à un accord politique dans l'intérêt de chaque Haïtien, dans l'intérêt d'Haïti en général. Parce que motivation, c'est Haïti. Le dénominateur commun, c'est Haïti. Nous parlons tout de rapport que nous-mêmes avec eux, que nous devons appui, que je vous ai dit, Sénat et pays. Nous parlons de questions sécuritaires. Nous parlons de tout ensemble de l'autre manière. Nous en plein. Nous avons l'idée pour le dialogue. Nous avons gardé ensemble à chaque fois avec lui ou pour nous voir qui j'en parle avec. Et que j'avais dit, qui devait être fixé, c'est tout bien faisable. Mais en attendant, on a fait des consultations auprès de Mounio, la CAIO, avec yo, différents groupes. Parce que, en fait, le Sénat, en tant qu'institution, est capable de parler avec tout le monde. D'ailleurs, en fait, le monde que nous avons parlé, c'est des mondes qui sont habitués ici à tout. C'est des sénateurs, c'est des chefs de parti. Ils ont possibilité de parler avec le pays. Derrière, des échanges tout. Très pointu qui était fait sur cette question. Constitution. Amis auditeurs, donc, Vinjouen, l'autre problème nous gagne, c'est le problème Gal, avec Gratellan qui a fait actualité, en plus le monde a parlé nous. Donc, dans ce souci, ça, que nous avons recevoir Mme Saha, qui lui-même a fait expérience avec maladie Gongon Saha,
il y a en fonction d'expérience li, donc li fait un savon, donc à base de feuilles, en pile feuilles, donc la partage expérience avec nous. Madame, bonjour, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous. Matéan sous Caraïbes. Bonjour. Bonjour, Bobse. Bonjour tout le monde qui est ensemble avec nous dans la radio et nous saluons la population à tout. Mm-hmm. Savons ça que nous portons là, c'est pour concernant Gratel là. Okay. D'ailleurs, au Cap, il y a une zone qui est plus Gratel. Mm-hmm. Et puis c'est savons ça que tu fais mon te jouer une solution. Okay. Même de toujours qu'un bel comme marketing pour ma présenter. Ça te pourrait mon Cap, de pourrait monter un bus qui bus compagnie toujours à demander savon ça. Mais l'aime temps de la radio, il y a parlé comment Gratel a fait rage dans quelque côté. Dit bon, il est possible pour me faire quelque venir vers la radio pour capable ouais examiner s'il possible et puis pour être capable faire moun sa yo côté sa yo joine sa avant ça pour capable rallonge comment expérience yo et ou même personnellement ou utiliser sa avant ça déjà. Oui, m'utiliser parce que je l'aime faire caler au cap premier côté m'étais allé à te gen Gratel moi même tout m'étais prendre Gratel là ça puis belle là là que comment se servir avec savon, montrer moun nan fè savon, et puis Gratel la diminue, mal ou l'autre côté, comme on est gen Gratel, yon est que bon chita. Après 5 minutes, mon cher Gratel la retourne pour pire, parce que depuis que tu as Gratel la, déjà, même la diminue, ou alors l'autre côté gen la pré augmenté encore. Okay. C'est comme ça Gratel la. Mais pour l'éliminer, faut que moun nan passe la radio soleil, tout ça gen la kali passe au soleil, parce que comme ça, c'est seule façon sal ka moui, et puis pour servir avec savon ça en même temps. Donc, rive ka yon moun ki. Quand tu es timonio ou bien quelqu'un qui a gagné Gratel là, donc précaution et de mise, salon, son baillot à l'éviter. Bon, non. c'est la chita dans le salon. Oui, pour la tête, pas de te augmenter encore. Augmenter. Oui, ça veut dire que c'est ça, vous m'avez continué à servir avec elle qui était bon. Gardez mon pour Jean, moi, il pour vous. Gardez, imaginez, tu as partagé avant là. Est-ce que vous pensez que ça va être efficace pour faire pour m'en tourner dans la normalité? Moi-même, tu as gagné un petit garçon. Parce que depuis, on m'a gagné tout à prendre. Ça va bien menti là dedans, oui. Mm-hmm. A gars sorti de là. Ça veut dire, tu gars somme ça t'a perdu couleur. Ah oui. Parce que l'on ti monde clair, il était tellement hydraté. Waouh. Qu'on y dit bon, mais savon. Et bien soit garde pour petit moi, mon cher, il dit mamie me prend force, dit même balil, ou qu'on est activité dans là ou pas permet. Oui, oui. Et puis après une semaine, il dit mamie me prend force, dit vrai, et puis lever maillot, wap. Tellement comme il dit mamie savon là. Ah oui. C'est ça que fait qu'on y a après tant d'expérience avec ça avant, on me dit non. Si c'est comme ça, il faut m'accarer si tu as gardé. C'est vite courir, aller au cap, rentrer, aller faire paysan, aller me chercher feu et puis pour me te venir. Est-ce que c'est vous qui connaissez un bus royal là? Oui. Oui, il n'est pas royal seulement, tout bus. Ah ok, mais ils ont aussi pas dit, ça m'a dit dame, non, est-ce que c'est lui? Oui, oui. Quand on a bus royal là, il dit, ça bon, ça bon, bon, vous voulez. Donc, il y a le même message là, ça s'en va avec moi. Donc, c'est expérience, on va aller dans le bus, non? Oui, dans le bus royal, la Haïti France, le routier, et puis le mytho. C'est très bien qu'on a acheté. Oui, il est vraiment bon. Ok, mais bon, on va faire la quantité. Le problème, c'est qu'on n'est pas gain. Possibilité vraiment pour nous faire une grande quantité de gens qui ont venir avec dans la radio. Ok, bon, Kounia, c'est ça nous a fait là. C'est comment, Eugène Robinson, bien sûr. Robinson journaliste là qui est. Oui. Oui, bon, c'est les mêmes bons. Au moins, peut-être qu'il a fait expérience dans la zone. Non? Ouais. Oui. Il est ça, la Gonave, d'accord. Mais quoi, Madli? Oui. Au moins, l'autre côté, il y a un problème. T'as qu'à regarder ça. Qu'a fait? Mais et cadeau à faire, oh, mais. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau au radio. Radio. Oui. Ah oui. Oh, mais bien. Bien. C'est bien. 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 D'accord, merci beaucoup. Après ton numéro de téléphone, si autorité dans la santé publique ou bien quelque l'hôpital, tu as besoin d'un coup de main pour faire des fabrications en grande quantité. Oui, donc c'est à mieux. C'est à mieux, mais oui. Eh bien, on a pris 3706. 3706 94-38. 94-38. On va prendre une précaution. Là, oui, on piégé. Oui, ça, c'est. Et puis, il faut perdre du temps. Donc, pour ça, on va pour eux. Et puis, dans un service humain et chagrin. Oui. D'accord, la prudence est de mise. Merci beaucoup. D'accord, merci. Un prêt pour nous, Marc. C'est bien ça. Lancement officiel, mardi 26 janvier 2021, deuxième phase mission pour mettre en place comité sectoriel suivi
programme modernisation l'État 2023, PME 2023. Programme ça marché avec 6 objectifs, tant pour améliorer qualité service, offrir à agents publics un environnement de travail modernisé, mettre structure contrôle en place, dénoncer et combattre pratique corruption, pour ne citer ça seulement, pendant responsable à continuer à intégrer résultats expérience qui étaient faites avant, avec ensemble ça qui déjà réalisé. N'a écouté dans sens sa déclaration Premier ministre Jout Joseph dans l'occasion de la micro Michel Timothée. Mesdames et messieurs, un état de service à travers une administration publique au service des usagers, tel est le résultat que poursuit le PME 2023 pour répéter le président de la République. Il nous faut pour y parvenir commencer par instituer une gouvernance publique assise sur des institutions fortes fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. Or, il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. En ce sens, le document du PME 2023 offre cette initiation à cette nouvelle culture de bonne gouvernance. Et ce n'est donc pas une option, c'est une des conditions du renouveau de notre pays. Changeons de paradigme, de culture, de méthode, de modèle d'organisation de travail, de notre manière d'utiliser les ressources publiques. Rompons avec l'ancienne tradition, c'est-à-dire nous devons cesser la corruption généralisée qui existe de l'administration publique haïtienne. L'ONRH, en ce sens, est comptable de la réussite du processus de mise en œuvre du PME 2023 par le rôle de pilotage qui lui est attribué et doit continuer à s'assurer que le processus reste et demeure inclusif, participatif et transparent. L'ONRH doit aussi jouer son rôle technique et se projeter dans cette nouvelle dynamique de changement de paradigme. La réforme de l'État requiert la disponibilité de cadres compétents. Je sais qu'il y en a beaucoup dans l'administration publique. Mais les cadres doivent être aussi engagés, honnêtes, loyaux et placés dans des postes de responsabilité. Si l'instabilité politique contrarie le progrès, il en est de même de la trop grande et fréquente morbidité de nos rares ressources humaines formées, sous-utilisées et rendues découragées par un mauvais emploi, c'est-à-dire un mauvais usage. L'ONRH, en tant que gestionnaire global de l'effectif de la fonction publique, doit être attentive à cela et proposant des règles qui puissent garantir une fonction publique stable, performante pour la réussite de la réforme de l'État que nous chérissons tous. J'en ai apporté l'an pour le ministre PIA Joseph Jout dans le lancement hier mardi 26 janvier 2021, deuxième phase, mission pour mettre en place comité sectoriel suivi programme modernisation de l'État PME 2023. Utilisation langue créole dans le tribunal ak nan kouyo, agit vite et bien, lancer la bataille ça sérieusement. Utilisation langue maman nous dans le système nan, ça permet la population à comprendre plus bien la justice pays et gain quelques erreurs qui pas commettre encore d'après même structure ça. Faut que nous dit en pile fois accusé ou bien prévenu pas même comprendre ça qu'a dit dans tribunal là réellement. Dans sens ça li important pour langue créole la présent dans la justice pays d'Haïti. En côté une après l'autre, même agit vite et bien, maître Mackens Avril, greffier Élisée Cadet ak Romuald Grandpierre nan micro Magesson Philistin. Nous autres, membres fondateurs, sommes issus de la matrice du peuple vivant dans les bacs entiers de Port-au-Prince
et dans les localités reculées des villes de province. Nous sommes donc témoins de la précarité des moyens dont disposent certaines familles haïtiennes. Nous partageons aussi journellement la misère, les abnégations, la douleur de la grande majorité de la population qui se sacrifie et très souvent manque de tout. Pas d'eau, pas de transport adéquat, pas d'électricité, pas d'école, pas de santé pour ne citer que cela. Cette catégorie de la population haïtienne qui est malheureusement en majorité est continuellement victime d'agressions, d'une insécurité grandissante et perd de plus en plus d'espoir. Aujourd'hui, Force AD mêle sa voix au complet populaire pour dire assez, trop, c'est trop, trop de misère, trop de laideur, trop de souffrance. Dans ce pays où les disparités économiques et sociales sont criantes dans les rapports entre citoyens d'une même nation, où les certains constituent le quotidien des riches et des pauvres. Il faut faire quelque chose. Il faut que les choses changent dans notre pays. Il faut que le soleil éclaire pour tout le monde. Il faut en effet que collectivement, nous regroupions nos énergies pour que de manière intelligente, pragmatique et positive, nous puissions adresser cette problématique de la misère absolue qui règne en maître dans le pays. Pour trouver ensemble les solutions durables visant à balancer l'équation du développement économique social du pays. Qu'on se le tienne dit, la violence et l'anarchie n'arriveront pas à bout du problème haïtien. Il faut s'adéquer plutôt, c'est en opérant une profonde introspection de notre moi, en nous inspirant de notre histoire, de notre culture, de notre spiritualité, en un mot, en référence à notre haïtianité, que nous arrivons à changer la donne pour que frères et sœurs d'une même patrie se donnent la main sous un leadership éclairé afin de permettre l'émergence de la nouvelle Haïti et des forces vives du pays. Force AD entrevoit à l'horizon 2030 une Haïti prospère, capable de prendre soin de ses filles et de ses fils, dans un environnement régénéré et sain. Des milliers de jeunes dynamiques et intelligents sont prêts à emboîter le pas. Des milliers de paysans, d'agriculteurs, d'artisans, de cadres sont disposés à entreprendre cette quête pour un avenir meilleur pour la renaissance d'Haïti. Force AD et les partenaires qui la soutiennent serviront de creuset où viendront se fondre ces énergies positives afin de lancer la révolution pacifique de notre pays, Haïti chérie. Force soleil là, clairé pour tout le monde. Que Dieu protège notre patrie.